Les abonnés qui utilisent Aspire, euh, je remontre rapidement comment faire euh, une touche type Fender. On crée un nouveau fichier 80 par 500 par 6.2. On importe depuis Inkscape deux vecteurs qui sont la touche et puis un petit rectangle ici de découpe. On centre. On importe les profils. Donc j'ai un profil longitudinal et puis deux profils pour le radius. Là, c'est des, des radius de 12. On va les rapprocher pour qu'on voit bien tout. Ça. Ici, ce que j'ai importé, j'ai donc le cache, dont on n'a pas besoin pour l'instant. Et ce profil-là qui est en double en fait. Donc on garde un des profils. Et on garde le profil longitudinal. On sélectionne le profil. N pour passer en mode point. C pour couper. C pour couper ici. N à nouveau. Et vous voyez qu'on a découpé en deux au centre notre profil. Donc on sélectionne les deux profils. On va dans... Modeling, To Rail Sweep, on décoche ça, et on dit voilà, vous voyez que le petit curseur a changé de forme, il a une forme profil maintenant, on dit voilà, on prend ce truc-là, et on le met ici. Et vous voyez qu'il passe avec un petit point rouge qui veut dire ok, il est actif. Et là, on fait appliquer. on se retrouve avec un premier modèle qui est notre planche avec juste le petit dévers. Comme on n'a besoin que du petit dévers, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on affiche le cache, on sélectionne notre profil, on sélectionne le cache. Et on utilise la fonction virer tout ce qui n'est pas à l'intérieur du vecteur, c'est-à-dire de notre petit cache. On fait ça. Et maintenant, en 3D, on n'a plus que notre petit dévers, qui est la partie qui nous intéresse. On retourne en 2D. On n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ça. On a besoin d'Eratus et du deuxième profil. Ce second vecteur, on le sélectionne. N. Mais cette fois-ci, on va le couper dans ce sens-là. Donc, C. C. N à nouveau. Et vous voyez qu'on se retrouve à nouveau avec deux rails. On les sélectionne tous les deux même méthode on utilise la sélection on veut pas de ça on clique pour positionner le premier ici on clique pour positionner le second ici appliquer okay. et on a maintenant notre deuxième profil comme d'habitude il met le premier modèle au-dessus. Donc on close. On le déplace vers le haut. On lui dit mode combiné low. Il l'intègre bien au bout. On prend nos deux profils. Et on fait... Bake Selected Components, c'est-à-dire qu'on va dire au système, bah, tu vas nous faire un seul modèle 3D à partir de ces deux composants. On a maintenant un seul modèle. Et on a fini.